profil étrange des hommes lilliputiens. Avant que le vent ne te ramène, raconte-nous comment, comment tu sors toujours indemne d'un combat de géants. Qu'est-ce que c'est que cet épouvantail? Permets-moi de te dire que je trouve ça assez grotesque. Coucou! Ah! Regarde ça, comment me trouves-tu? Je te trouve particulièrement ridicule. Oh, mais il faut bien s'amuser un peu, ah oui? Et puis pour le jour des fous, tout le monde se déguise dans tout Lilliput. C'est une tradition que je trouve particulièrement humiliante et déshonorante. Oh, c'est pas la peine d'essayer de le convaincre de s'amuser, il ne voudra pas. Le pauvre n'a aucun sens de l'humour. J'ai un très grand sens de l'humour, et la preuve, c'est que c'est toi que j'ai fini par épouser. Là, je trouve que tu exagères un peu. Je te demande du respect, c'est la moindre des choses. Ah ! Hé, hey, calme-toi, tu vas casser quelque chose. Oh ! Là ! Oh ! Je vais partir voir Gulliver. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui soit au moins sain d'esprit. Ça fait des mois et des mois que j'attends cet instant. Le roi a réussi à déjouer toutes les tentatives que j'ai faites pour le renverser, mais le jour des fous sera aussi celui de sa perte. Oui, vous allez bientôt devenir roi de Lilliput, et moi je deviendrai le fils au roi. Je serai roi de Lilliput, j'entendrai à la police d'arrêter tous les imbéciles déguisés qui font peur aux chevaux. Oh, mais c'était deux policiers, justement. Quoi? Alors je ferai arrêter la police. Mais si on fait arrêter les policiers, qui se chargera alors de nos basses besognes? C'est terrible, on ne peut plus imposer sa tyrannie en paix. À quoi ça sert de prendre le pouvoir si on doit encore respecter les autres? Les choses vont changer. Quand je serai au pouvoir, je ferai interdire toutes les fêtes. Écoutez-moi ça, quelle horreur, c'est dégradant. Il devrait y avoir une loi pour les faire taire. Oh.
mon papa? Je parie qu'il regrette d'avoir rouspété comme ça et qu'il revient pour demander pardon. Mmh. Monsieur le ministre! Non! Mais quel honneur! Oh. Ne parlez à personne de nos déguisements. On espère gagner le prix du plus beau costume demain. Moi, je voterai pour elle. Nous sommes passés voir si Flim se trouvait là. C'est le roi qui nous envoie pour... Il l'a dit, il a perdu. Il l'a dit, on l'a entendu. Sortez maintenant, monsieur le ministre. Mais alors là, certainement pas. Vous avez prononcé le mot roi et vous ne devez pas. Maman, toi aussi, tu viens de le prononcer. C'est absurde une chose pareille. Essayez d'être raisonnable, voyons. Vous me voyez en train de sauter. Mais parfaitement. Mais oui. Non, c'est grotesque. Je me demande quel est l'idiot qui a inventé une chose pareille. Oh, mais c'est vous, ne me dites pas que vous l'avez oublié. Non, en réalité, ça fait partie de mon plan. Comme j'avais commencé à l'expliquer, le roi, sa majesté, nous a envoyé pour vous demander d'intervenir auprès du géant Raphaël, pour qu'il participe à la fête des fous. Oh, monsieur le ministre, quel honneur! Nous avons un service spécial à demander à Raphaël, et ce sera le sommet de la fête, mais il faut que ça reste un secret entre nous, sinon l'effet ne réussira pas. Vous pouvez compter sur moi pour ne rien dire. Ce serait bien la première fois qu'elle ne parlerait pas. Approchez, je préfère murmurer pour qu'on n'entende absolument rien. Venez. Regardez-moi ces poissons volants comme ils s'amusent bien. C'est normal que les poissons s'amusent aussi, puisque c'est la fête et que tout le monde à Lilliput a l'air de s'amuser. Oh. Ah, tu me chatouilles. Arrête, sors de là, allez. Attends. Et il continue. Oh, il est bien maladroit, ce garçon. Docteur Gulliver, aidez-moi! Je vois plus rien! Tout ça à cause d'un simple poisson qui se moque de moi. Quelle humiliation! Oh non! Ah, ça suffit comme ça! Non, laisse-moi! Non! Oh non! Non, non, c'est fini! Je ne joue plus! Allez, arrête! Bon, ben vous n'allez pas nous quitter comme ça, alors qu'on commence à s'amuser. Allez, arrête, arrête. Chez nous, on dit que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Alors arrête, sinon tu finiras par me mettre en colère. Regardez-moi ça, même les poissons font les pitres pour honorer le jour des fous. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Je vous rappelle que vous êtes un homme de science et vous devriez vous montrer un peu plus sérieux. Cette coutume est vraiment grotesque. Mais pas du tout, moi je trouve que c'est une coutume charmante. J'aimerais bien pouvoir participer à la fête, moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Restez donc ici tranquillement jusqu'à demain. Ben, n'allez pas participer à cette fête grotesque. Flim, Gulliver, oui, quoi? Raphaël, écoute ça, c'est incroyable. Figure-toi que le roi a demandé... Oh, j'ai dit le mot, quel idiote! Oh. Oui, voilà, Raphaël, je voulais te dire que notre souverain bien-aimé vous demande à tous les deux de participer à la fête demain. Sérieusement? Oh, mais je trouve que c'est un grand honneur, Raphaël. Et moi, je trouve que cette invitation est plutôt suspecte. Attendez, ce n'est pas fini. Oh, Sa Majesté veut aussi que vous dansiez. On a même apporté un déguisement pour vous. Avouez que c'est bizarre. Pourquoi veut-il tant voir Raphaël? Flim, je te conseille de ne pas te mêler de ça. C'est peut-être l'occasion pour vous de retourner à la cour. Ce sera sûrement plus efficace que des inventions stupides. Je vais être beau comme un prince là-dedans.
Oui, je ne vais peut-être pas gagner le prix du plus beau fou demain, mais je peux vous dire que sans me tromper, je serai sûrement le plus grand. Regardez-moi cet idiot. Il va être parfait pour notre plan. On peut dire que le jour des fous a été créé pour lui. Hola, hola. Ah, oui, bravo, bravo, Raphaël, bravo. Le plan est parfait. Quand il commencera à danser, Raphaël ne se contrôlera plus. Il marchera sur le roi et l'écrasera. Et tout le monde accusera ce géant de sa mort. Beau plan. Oui, c'est vrai. Et demain à cette heure-ci, Lilliput aura enfin un nouveau roi en ma personne. Un roi tout à fait superbe. Fait pour ça. Cela permet aux autres paysans de pouvoir s'adresser à toi sans avoir à s'agenouiller comme le reste du temps. Hein? Je trouve cette coutume lamentable. Je vois mal l'intérêt d'être roi si on ne me reconnaît pas. Mais enfin, c'est un jour exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, vos majestés. Nous sommes venus vous dire que Raphaël voudrait participer à la fête en votre honneur. Non, c'est vrai? Oui, il a même dit qu'il danserait pour vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Se déguiser comme ils le veulent. Confisquer leurs vêtements. Oh, mais calme-toi, voyons, ils s'amusent. Mon petit papa, où es-tu? Tu devrais l'appeler, toi, il t'écouterait. Dépêche-toi, flemme! Tu es très drôle en pirate, ça te va très bien. Oh oui, je sais, je vais faire peur. Vous avez intérêt à venir avec moi. Personne ne vous ennuiera. Dommage que le roi n'ait pas eu le temps de vous trouver un beau costume. Mais ce n'est pas grave. Je m'amuserai autant à regarder les autres. Oh! Vous trouvez que ça me va bien, docteur? Oh, oui, très bien. Je t'assure, il te va très bien. Ah, merci beaucoup. Mais attends, attends, tu oublies quelque chose? Quoi? Oh, mais ton beau chapeau. Ah, c'est vrai, j'allais l'oublier. Maintenant, montre-moi comment tu danses. Hop, hop. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, fais bien attention quand tu danseras. Hmm? Oui, tu pourrais blesser tes voisins. Tiens. C'est bizarre que le déguisement soit à ma taille et que les bottes soient bien trop grandes. Regardez. C'est Flim et sa famille. Yaha! Suivez-moi, pirates, mes frères! Suivez-moi à l'abordage de ce galion et pas de quartier! Allez, touche à l'abordage! Bravo! Bravo, c'est très réussi! Vous êtes formidable! Oui, n'est-ce pas? Et moi, comment vous me trouvez, docteur? Regardez! C'est bien? Oh oui, c'est très bien! Vous êtes tous formidables!
Allez, venez avec moi. Venez, on va faire la fête. Youhou! Allez, grimpez vite et accrochez-vous bien. On s'en va. Ouais. Ouais. Regarde, mon chéri, regarde comme tes sujets sont contents de cette fête. Elle ne se doute pas de ce qui les guette. Et maintenant, pour que la fête commence, je laisse la parole à notre roi bien-aimé. Que les festivités commencent! On devrait peut-être marcher plus vite. Sûrement pas. C'est très chic d'être en retard. Et puis Bolgola m'a bien précisé d'attendre que le roi et la reine soient présents pour arriver. Est-ce que tout le monde est heureux le jour des fous? Bonjour tout le monde. Raphaël est venu danser pour le roi. Hein? Ici? Devant tout le peuple? Écoutez, grande nouvelle, Majesté! Le géant Raphaël va danser maintenant pour le roi et montrer son amitié pour votre peuple! Et voilà le grand moment. Je crois que dans quelques petits instants, vous pourrez m'appeler Majesté. Et attention! Il y a des femmes à bord! Sûrement pas. Ici, au moins, tout le monde va pouvoir nous voir. Oh! Oh! C'est bien. Continue comme ça, à faire n'importe quoi, on plaît à tout le monde. À nous de jouer. Mais arrêtez, arrêtez tout de suite, vous entendez, arrêtez! Le peuple veut mieux vous voir, votre majesté. C'est très bien encore. Cette fois, ça va beaucoup trop bouger. Descendez. Que surtout vos majestés restent bien au milieu de l'arène pour que le peuple puisse bien les voir. Allez, hop, hop! Quelle magnifique journée! Regarde la liesse de notre peuple! Mon trône est bien solide! Le chapeau commence à lui masquer les yeux. Oh, voilà. Ne perds pas l'équilibre, Raphaël. Ne tombe pas, rattrape-toi. Ça serait un drame si tu tombais. N'ayez pas peur. Oui, mais... Ça vous a plu? Merci à tous. C'est raté. Oh, il n'est pas tombé. Non, j'ai une autre idée. Allez, remontez là-haut avec moi, c'est terminé. Bravo, Raphaël. Nous allons passer à autre chose. C'est l'heure du jeu qui s'appelle... Oui, vous savez bien, on fait des pyramides humaines et celui qui monte le plus haut a gagné. Oh, mais faut parler du roi de la montagne. Oh, 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 oh
Dursley. Raphaël. Non. Merci beaucoup, c'était moi une. Ouf, on l'a échappé belle. Hein? Oh. Non, je n'ai rien fait. Au secours! Assassin, tout ça, c'est votre faute, Polgolam! Vous avez imposé ce gage à Raphaël pour vous débarrasser de moi! Non, pitié! Pitié, pitié! Ne me mangez pas, par pitié! Non, 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 non! Non! Vous avez gagné, Polgolam! C'est vous le plus fou de tous les fous! Voilà!